4 astuces pour résoudre le problème du téléphone qui s'éteint lors des appels. Salut les amis, bienvenue sur Technique Facile. Sur cette chaîne, je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine pour vous aider à améliorer votre quotidien avec votre téléphone. Si vous regardez mes vidéos pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Le problème vient souvent du capteur de proximité. Ceci est un guide étape par étape. Bien que de nombreuses personnes ne le sachent toujours pas, la grande majorité des téléphones Android ont un capteur de proximité qui est chargé de s'allumer et de s'éteindre lorsque l'écran s'approche de votre visage. Sa fonction principale est de désactiver l'écran du mobile et l'utilisateur n'a pas la possibilité de raccrocher ou d'entrer dans d'autres applications tout en parlant au téléphone. Je vais vous montrer comment désactiver cette fonctionnalité pour résoudre le problème du téléphone qui s'éteint lors des appels. Astuce numéro 1. Allez dans Paramètres de votre smartphone. Dans le menu Paramètres, cherchez l'option Mon appareil. Ensuite, sélectionnez l'option Appel. Dans l'option Appel, entrez dans le menu Paramètres. Vous verrez l'option Éteindre l'écran pendant l'appel. Activer. Il vous suffit de la désactiver. Astuce numéro 2. Allez dans l'application d'appel. Vous devez cliquer sur l'icône Appel sur votre écran d'accueil. Ensuite, entrez dans les paramètres de l'application. Désactivez l'option Éteindre l'écran pendant l'appel. En utilisant ces astuces, vous pourrez désactiver la fonction capteur de proximité. Astuce numéro 3. Le capteur de proximité est remplaçable car il est soudé sur une nappe flex avec le microphone. La nappe flex sur laquelle est soudé le capteur de proximité est juste en dessous de la caméra frontale. Si ceci ne vous aide pas, l'astuce numéro 4 marche pour tous les téléphones. Il vous suffit d'utiliser des écouteurs lors de vos appels. De cette manière, le téléphone ne s'éteindra pas. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez pour que ça puisse aider d'autres personnes. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se dit à la prochaine.